Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ne choisissez pas le mauvais tunnel sur Minecraft. Du coup, pour cette vidéo, je suis tout simplement en compagnie de mon fils Rodrigue qui est caché juste ici. Voilà, j'ai peur. Coucou Rodrigue. Du coup, les amis, regardez, aujourd'hui on a tout simplement 6 tunnels. Donc, le tunnel de Megan, le tunnel du monstre dans Mercredi Adams, le tunnel de Enid, le tunnel de Chocho Charles, le tunnel de Jumbo Josh et pour finir les amis le tunnel de Mercredi Adams. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez voir il va se passer plein de choses. Et avant qu'on enchaîne directement sur le premier tunnel, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est super important les amis, je compte sur vous, on approche très bientôt des 200 000 abonnés. Du coup c'est parti Rodrigue, on va pas perdre de temps, on va tout de suite choisir un tunnel et on va aller voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Moi je pense qu'on va aller voir Enid en première. Qu'est-ce que t'en penses, Rodrigue? Ok, bon bah il est très très pressé d'aller voir Enid visiblement. Du coup c'est parti, let's go. On arrive dans son tunnel les amis. Mission, fabriquer une pioche et une épée en diamant. Ok, donc c'est parti. Oh, ok Enid, coucou. Salut Rasen, ça va? Ouais ça va, ouais t'as une voix bizarre aujourd'hui là. T'es encore malade Enid? Oui, encore. Ok. Bon, par contre, Rodrigue, il était impatient de te voir. Ah, ok, c'est bon, t'es juste ici. Eh, Rodrigue, t'arrêtes de jouer à cache-cache depuis tout à l'heure. Bon, du coup, les amis, on va directement réaliser la mission du tunnel de Enid, c'est-à-dire qu'on va devoir faire une pioche et une épée en diamant. Par contre, je ne sais pas du tout comment on va faire. Attendez, je vois du charbon juste ici. On va regarder un petit peu partout. Oh, ouais, j'ai un villageois ici. Pourquoi il y a un villageois? Ah, regardez, il y a des diamants cachés juste ici. Il y a du fer là-bas. Ok, ça devrait le faire, les amis. On va pouvoir faire les outils. Du coup, c'est parti. On va récupérer les bûches d'armes, tout simplement. Voilà, pour crafter les différentes choses qui vont nous permettre d'avoir notre petite pioche et notre épée en diamant. En vrai, Rodrigue, tu m'aides ou pas du tout? Non, pas du tout, je t'ai brouillé. Il est en train de draguer Enid, les amis. Rodrigue, il en a rien à faire de la mission. Hop, du coup, c'est parti. Je vais récupérer de la pierre maintenant, les amis, avec ma petite pioche en bois. Attendez, il y a de la pierre en dessous. Ah, mais attendez, mais il n'y a pas de pierre en dessous. Mais comment on va faire? Wesh. Ah, bah ça, c'est un petit problème. Attendez, je vais aller voir. Ah, t'as de la pierre pour moi, Enid? Oui, tiens. Ok, vas-y, bah donne-la-moi, hop, ok, ah, oh, merci, oh, ça va me servir, parce que sinon, sans ça, j'aurais pas pu faire le reste, les amis. Du coup, là, maintenant, on va pouvoir faire la pioche en pierre, ensuite, le petit four qui va nous permettre de faire chauffer le fer, et ensuite, on se fera la pioche en diamant, les amis. Bon, par contre, je perds ma bouffe, là, il faudrait trouver à manger. Rodrigue, ça sera ta mission. Ah, ok, wow. What? Mais attends, mais c'est quoi ce tour de magie que tu nous as fait là, Rodrigue? J'ai récupéré ma barre de faim. Magicien, okay. Bon, du coup, c'est bon, j'ai du charbon. On va aller récupérer du fer maintenant. Par contre, les fers ont l'air bien cachés, les amis. Oh! Bah non, j'ai parlé trop vite, regardez, ils sont juste là. Hop, let's go. On va récupérer 3 de fer pour se faire une pioche en fer. Hop, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, c'est bon, j'ai les 3 de fer. On va les faire chauffer dans le petit fourneau. Hop, et par contre, du coup, oui, je l'ai pas dit, les amis, mais dans cette vidéo, il y a des personnages qu'on a jamais vus, on ne choisissait pas. Donc, y compris Chouchou Charles et Jumbo Josh. Donc, restez bien jusqu'au bout. Hop, attends, okay. Redis Chouchou Charles. C'est Chouchou Charles, non? Ça se dit comment en vrai? Je sais pas, tu dis Chouchou Charles depuis tout à l'heure, c'est Chouchou, c'est un train. Chouchou. Ah oui, bah oui, je suis bête, c'est Chouchou Charles les amis. Oh là là, je suis complètement bête. Ok, c'est bon, le fer a bientôt fini de chauffer. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Enid? Viens voir. Attends, j'arrive, hop, hop, le panneau. Ne pas toucher, ok. Ah mais attendez, mais il y avait pas le panneau là tout à l'heure, c'est qui l'a mis là en vrai? Moi. Ok, ok, et pourquoi on doit pas toucher Enid? Je sais pas. Ok, bon, ouais, bizarre Enid. Hop, let's go, on va récupérer du coup les diamants. Ils sont cachés en haut des arbres normalement. Il en manque encore un les amis. Ah bah non, il en manque encore 3 du coup. Si on doit faire une épée également. Attendez, du coup, je vais récupérer celui-là. Il y en a peut-être un troisième en haut de cet arbre les amis. Ouais, je m'en sors, ok, c'est bon, il y en a un là aussi. Hop, faut que j'arrive à le récupérer. Oh là là, attendez, je vais utiliser les blocs pour monter et aller le chercher. Let's go, let's go. C'est bon, je l'ai récupéré. Et j'en ai vu un juste ici, normalement, les amis. Ouais, j'ai l'œil. Oh, il y en a même un deuxième. Ok, nickel, c'est bon. J'ai les 5 diamants. On va pouvoir faire la pioche en diamant et l'épée, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est bon, j'ai l'épée. Par contre, il me manque encore un petit peu de bois pour faire la pioche. Et après, ça sera nickel. On va pouvoir tout simplement aller voir les autres tunnels et on sera équipé au moins. Ça, c'est cool.
Hop, ok, c'est bon, j'ai la pioche également. C'est bon, Enid, j'ai réalisé ta mission du coup. Bon bah nous, bravo. On va te laisser, hein, on a encore plein de tunnels. Allez voir, il en reste encore 5. Du coup, bah à la prochaine, hein, Enid. Attends, j'ai une récompense pour toi. Ah, t'as une récompense pour nous? Ok, oui, vas-y, bah donne. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, une arme, wesh. Ah, mais fallait nous la donner depuis le début. J'aurais pas galéré à faire une épée en diamant. Bon, bah tiens, Rodrigue, prends ça, ça va te servir. Moi, je vais utiliser l'arme. Bon, du coup, à la prochaine, hein, Enid. Ok, à les amis, du coup, on se retrouve devant les autres tunnels. À tout de suite. C'est bon, les amis, on est de retour devant les tunnels. Et lequel on va aller voir en deuxième? Rodrigue, je te laisse choisir vu que t'es l'invité de cette vidéo. Ok, t'as envie d'aller voir le hide? Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire pour un deuxième tunnel, mais bon, on va y aller. Qu'est-ce que tu fais, Rodrigue? Wesh, bah, attendez, je dors, laisse-moi. T'es endormi par terre là? Ouais, mais attends, mais t'es narcoleptique, Rodrigue là? C'est quoi le délire? Oui. Wesh, ok, bon, il leur manque de calcium, les amis, je crois, Rodrigue. Allez là, réveille-toi debout. On a encore 5 tunnels à aller voir. Let's go, on va rentrer. Arrête de chanter, par contre, là, t'es insupportable, Rodrigue. Mission, tuer le Hyde pendant qu'il dort. Ok, les amis, on est dans les égouts du Hyde, je pense. Ok, oh, fais gaffe, Rodrigue, fais pas de bruit, par contre. Fais attention, on va être occupé de dormir. Et on va devoir le tuer, les amis. Hop, je vais rentrer en premier. Reste derrière, Rodrigue. On sait jamais. Oh, regardez. Ok, le Hyde est là. Mais attendez, mais dans mes souvenirs, il était beaucoup plus grand. On dirait qu'il a rétréci. Peut-être qu'il rétrécit pendant le Gozi. Tais-toi, Rodrigue. Arrête, tu vas le réveiller. Oh, ok, il a bougé. Oh, wesh, cache-toi. Ok, les amis, mais Rodrigue, t'as failli caméra. On a failli faillir à la mission. Ok, mais attendez, mais pourquoi il y a une caméra avec un ordinateur? Wesh, le Hyde se fait un ordinateur. Ok, super bizarre. Bon, du coup, les amis, si vous voulez qu'on tue le Hyde, le monstre dans Mercredi Adams, mettez un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Voilà, si on peut atteindre les 800 pouces bleus, je compte sur vous, les amis. Et du coup, c'est parti. Je vais prendre mon arme à feu et lui tirer dessus. Qu'est-ce que tu fais, Rodrigue, là? Je suis en train d'hacker son ordinateur. Bah, ça sert à rien. De toute manière, il va mourir, là. Ok, du coup, 3, 2, 1... C'est parti, les amis, on va le tirer dessus. Ok, what, ça lui fait pas dégâts? Oh si, c'est bon, ok, il a voulu se lever. Et il a pas réussi, les amis, let's go. Heureusement que Enid m'a donné comme cadeau une arme, voilà. Ça a été beaucoup plus simple pour le tuer, du coup. Ouais, non mais Rodrigue, c'est pas le moment pour prendre son lit, hein. Allez, hop, je casse le lit, tu dors pas. Non, ici, les amis. Hop, wesh, ouais, Rodrigue, il est insupportable quand il est fatigué. Allez là, réveille-toi. Wesh, il s'est endormi sur la commode. Allez, viens. Bon bah du coup, mission réussie pour ce deuxième tunnel, les amis. On a réussi à tuer le Hyde. Et du coup, on va tout de suite enchaîner avec le troisième. Du coup, à tout de suite. C'est bon, les amis, on est de nouveau devant les tunnels. Et cette fois-ci, c'est à moi de choisir. Du coup, lequel je vais choisir? Alors, Megan, je pense qu'on va se la garder pour la fin, les amis. Il reste du coup Chouchou Charles. Jumbo Josh, ouais, j'ai failli faire l'erreur. Et Mercredi, bon, je pense qu'on va aller voir Jumbo Josh. Oh, regardez, il est juste en face, il est en train de danser. Ouais, il nous nargue clairement, là on n'a pas le choix. Là, on va y aller. T'es parti où encore une fois, Rodrigue, là? Bon, je pense je danse dans la montagne. Ouais, bon, je vais te ramener à la maison et tu vas aller danser dans ton lit, je crois, dans 2 minutes. Allez, descends là. Viens, let's go. On va aller voir Jumbo Josh, les amis, qui est juste en face de nous. Il est en train de danser, là, voilà, il nous tape son meilleur pas de danse. Jumbo Josh, pourquoi tu danses comme ça, là? Mission, dépêchez-vous. Ok. Alors, mission, faire le jump et trouver un moyen de s'enfuir. Wow. Ok. Parce que sinon, je vous tue. Ok. Bon, Rodrigue, arrête de danser. Sinon, tu vas l'énerver, je pense. Ok, du coup, là, on va devoir faire le jump qui est juste en face de nous et trouver un moyen de s'enfuir. Attendez, mais. Bon, on verra ça après. On va déjà réussir le jump, ça sera pas mal. Du coup, c'est parti, les amis. Je vais m'engager en premier. Let's go. Ok, je vais le faire sans m'arrêter, les amis. Je vais essayer. Hop. Ok, c'est bon, j'ai réussi le jump. Oh, Rodrigue, par contre, il est nul. Oh là là, allez, dépêche-toi, Rodrigue, là. Je t'ai connu meilleur que ça, en vrai. Allez, dépêche-toi, hop. Ok, c'est bon, il a réussi. Bon, maintenant, on est arrivé ici. Il y a un levier juste derrière Jumbo Josh. On peut... je peux appuyer dessus, en vrai. Jumbo Josh. Pourquoi pas, essaye, hein. Ok, je vais essayer et on verra ce qui s'y cache derrière, les amis. Oh, wow. Ok, c'est un passage secret. Attendez, on est arrivé dans une nouvelle salle, du coup. Oh là 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 là, ok, la dinguerie. Par contre, voilà, ça me rassure pas trop, ce poster-là. Il fait quand même assez flipper. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Jumbo Josh? Oh là là, vous avez 20 minutes pour sortir. On a 20 minutes pour sortir, sinon tu nous tues. Oh là là, ok. Ouais. Bon bah, vite, faut qu'on trouve un moyen, les amis. Alors, attendez que je réfléchisse. Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Plus vite là, allez. Oui, bah, attends deux secondes, je réfléchis. Bon, en vrai, les amis, comment on va faire pour sortir de cette salle? En vrai, j'ai envie de vous dire, venez, on tape un sprint juste en face et on fait le jump à l'inverse. Ah bah non, je crois qu'on peut même pas. Bon, il doit bien y avoir un moyen, les amis. Je vais regarder un petit peu partout. Oh, attendez, pourquoi il y a un bloc gros juste ici? C'est très très bizarre. Ok, à mon avis, ce bloc-là est pas là par hasard, les amis. Oh, regardez au-dessus aussi, il y a une sorte de passage. Ok, bon, soit il faut récupérer des blocs et monter là-haut, soit il faut poser quelque chose sur ce bloc rouge, les amis, qui va nous... Bah, il y aura peut-être un passage sucré, je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, on va regarder derrière un peu tous les meubles, voir s'il n'y a pas un coffre caché, on sait jamais. Peut-être derrière la cheminée, les amis, je vais casser la cheminée. Bon, je me permets, hein, Jumbo Josh, t'énerve pas, t'en fais pas, je vais tout replacer juste après. Je m'énerve pas, ça va. Ok, bon, il n'y a rien derrière la cheminée, les amis. Apparemment, derrière le porte-manteau, il doit pas avoir grand-chose non plus. Peut-être derrière les bibliothèques, les amis, on va les casser, on va voir. Allez, là. Oh. Ok, regardez derrière là, il y a un coffre. Ok, let's go les amis, il y a un levier dedans. On va pouvoir sortir, j'ai trouvé la solution. Franchement, je suis trop fort, hein. Rodrigue dit que je suis trop fort parce que toi, t'as absolument même rien pas fait. Ouais. T'étais là, occupé de faire du cheval. Je sais même pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs, les amis. Au pire, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. C'est un dada. Ok, bon bah, je savais pas. Hop, du coup, c'est parti. On va voir si ça ouvre quelque chose en posant le levier juste là sur le bloc, les amis. 3, 2, 1. Ok, waouh. Ok, il y a un passage secret qui s'est ouvert. Bon bah, Jumbo Josh, on a réussi. Ça sera pas pour cette fois que tu vas nous tuer. Ok, let's go, viens Rodrigue. On s'en fout. Vite, vite, vite. Oh, il nous suit. Oh là là, mais Jumbo Josh, on a réussi la mission là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je pas faire play. Oui, je me dépêche, je retourne là-bas. Ok, à mon avis, il veut qu'on retourne devant les tunnels très très vite, les amis. Ok, c'est bon, il a arrêté de nous suivre. Bon, on se retrouve devant les 3 autres tunnels restants, du coup, à tout de suite. C'est bon les amis, il reste du coup plus que 3 tunnels. Du coup celui de Megan, celui de Chouchou Charles et celui de Mercredi Adams, les amis. Alors je pense que voilà, vu que c'est mon choix, on va aller voir enfin Megan. Du coup Rodrigue, c'est bon, t'es prêt? Oui. Ok, bon par contre prends ton épée en main. On sait jamais parce que Megan en ce moment elle est très très vénère, les amis. Du coup c'est parti, on va rentrer. Oh attendez, il y a de la neige. Ok, alors mission affronter Megan au spliff. Ok, regardez, elle est juste en face, Megan. Bon, elle parle. Ok, bon du coup Megan, on va te voir t'affronter au spliff si j'ai bien compris. Par contre Rodrigue, reste derrière moi parce que ouais, il n'y a qu'une seule pelle en diamant. Au pire on fera un petit combat entre nous deux si tu veux. Oh, après, ouais. Rodrigue, prépare ta petite pelle. Bon, bien évidemment si je gagne, hein, voilà, parce que si je perds, bah je pourrais pas faire un combat contre Rodrigue. Bon, ok, elle a donné une... Ah bah tu veux que mon fils participe aussi? Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Là, Megan, elle est gentille dans cette vidéo, je comprends rien. Je vais te voir que j'y suis. Ok, elle veut nous ridiculiser. Ok, bon bah tiens Rodrigue. Bon, bah, je vais la démonter. On fait quoi? On fait chacun pour sa pomme. Bon, par contre le terrain ouais, est un peu carrément. Petit, hein. Le terrain est un peu petit, les amis. Je vais la jouer stratégiquement. Je vais me mettre juste ici, un peu loin de deux. Bon allez, 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Ok, que le jeu commence, les amis. Oh là là, wesh. Oh, Megan. Aïe. Ok, j'ai failli tomber, les amis. On va faire tomber Megan. Ok. Hop, non mais attendez, je peux plus passer. Wesh. Rodrigue, tu nous as bloqué là, c'est pas grave, on va passer, je vais faire un petit pont ici. Regardez, hop, allez, bisous Rodrigue, il reste plus que Megan, par contre elle triche là. Hé, Megan, reviens sur le terrain de jeu là, dépêche-toi, allez, je te pose des blocs si tu veux. Allez, viens Megan, dépêche-toi, reviens jouer là, let's go, c'est pas fini. Ok, c'est parti, on reprend. Ouais, je m'attendais, mais Megan, elle s'enferme à chaque fois là. Bon, allez, t'arrêtes de t'enfermer. Let's go, les amis, j'ai réussi à la faire tomber. C'est bon, j'ai gagné contre mon fils et contre Megan. Franchement, je suis le roi du spliff. Les amis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Razon, t'es le meilleur au spliff. Parce que clairement, à chaque fois que je joue au spliff, presque tout le temps, je gagne, les amis. Je suis vraiment très très fort. Oh, par contre, attendez, la neige, elle se retire là. On va vite revenir là-bas avant qu'on tombe dans la lave, les amis. Ok, du coup, c'est bon. La mission de Megan est terminée. On va tout de suite enchaîner avec, du coup, l'avant-dernier tunnel. Je vais aller retrouver Rodrigue qui est juste là-bas, normalement. Vous inquiétez pas, il a respawn. Du coup, on se retrouve tout de suite. C'est bon, les amis, j'ai retrouvé mon fils qui est juste là. Et franchement, Rodrigue, t'es nul au spliff. Non, j'ai tout gagné. Ouais, t'as rien gagné du tout. Bon, en tout cas, regardez, les amis, la nuit est tombée. Wow, la lune, elle est vraiment proche de nous là. On dirait qu'elle va nous tomber dessus, les amis. C'est une dinguerie. Enfin, bref, du coup, oui, comme je le disais, il reste plus que 2 tunnels déjà dans cette vidéo, les amis. Du coup, Chouchou Charles et Mercredi Adams. Mais,
je pense que lui, on va aller le voir en dernier parce qu'on l'a jamais vu encore. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir notre cher ami Mercredi Adams, ou peut-être pas, parce que voilà, je vous rappelle que Mercredi Adams, des fois elle est gentille, des fois elle est méchante, ça dépend. Du coup, on verra directement si elle est gentille dans cette vidéo ou pas du tout. Hop, vas-y, suis-moi, Rodrigue. Eh, Rodrigue, t'es vraiment à l'ouest là, faut vraiment que tu dormes la nuit. Tu veux que je te dise pourquoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Rodrigue? Il est minuit 7, ok? Ah ouais, effectivement il est minuit 7 les amis dans la vraie vie. Du coup voilà, Rodrigue il est très très fatigué. Mais wow, t'en fais pas, il reste encore 2 tunnels. Et après on pourra aller dormir si tout se passe bien hein. Peut-être qu'on va mourir à la fin de cette vidéo les amis. Je ne sais pas, restez bien jusqu'au bout. Ok, alors mission, finir le labyrinthe et affronter Mercredi. Ok, donc là on va devoir faire le labyrinthe qui est juste en face de nous. Bon, j'espère qu'il est pas très très grand les amis. Ok, attends, on va essayer de passer par là. Non, on va pas aller là, on va pas par là. À part si t'as envie de prendre un petit bain de lave, Rodrigue, c'est comme tu veux. Peut-être par ici, les amis. Attendez, je vais essayer de suivre le chemin. Let's go. Oh, ok, c'est bon, attends. J'ai trouvé quelque chose, je crois, Rodrigue. Alors, on reste là. Par contre, il fallait l'affronter, hein. C'est ça qu'il y avait écrit sur le panneau, si je me souviens. Ouais, je crois. Ok, bon bah ce que tu vas faire, tu vas me donner ton épée en diamant et je vais te donner le pistolet. Voilà, c'est mieux que c'est toi qui le pistolet. Oh, je suis tombé dans la lave. Et de l'herbe. Ah, t'as sauté dans la lave. Wesh, mais t'as pu faire un diamant. J'ai eu peur, wesh, de l'herbe. Qu'est-ce que tu veux faire avec de l'herbe? Ok, bon du coup c'est parti les amis, on va rentrer. Alors à mon avis, j'imagine que si on doit l'affronter, c'est que elle est plutôt vénère. Par contre, elle est où? Je ne la vois pas les amis. Oh, ok, elle lutte ici. Oh, ok. Elle nous attaque directement, les amis. Par contre, comment ça se fait que je suis en game mode là? Wesh, c'est quoi cette dinguerie? Ok, j'avais pas remarqué, les amis, mais j'ai mes super pouvoirs. Aïe, ok, c'est bon, j'ai perdu mes super pouvoirs là d'un coup. Ok, let's go. Bon, bah, on va attaquer Mercredi. Hop, et elle a commencé directement. Elle a même pas cherché à parler. Hop, vas-y, attaque là. Ok, c'est bon, let's go. On a réussi, on l'a tué. Bon, par contre, il va falloir ressortir de ce labyrinthe maintenant, Rodrigue. J'espère que t'as retenu le chemin. Hop, alors attendez. Si je me souviens bien, c'est par ici. Par contre, Mercredi, elle était super vénère là. Hein. Elle nous a sauté dessus directement. D'ailleurs, je crois qu'elle était cachée parce que je ne l'ai absolument pas vu venir, les amis. Non, c'est pas par là, Rodrigue. Je crois que tu te trompes de chemin. C'est pas grave. Attendez, on va essayer de le trouver. Non, j'ai trouvé. Ok, c'est bon, on a retrouvé le chemin. J'ai rien dit, il y avait deux chemins du coup. Bon, bah c'est bon, on a fini avec Mercredi. Et là, du coup, il reste plus que Chouchou Charles. Du coup, à tout de suite, les amis. Les amis, c'est bon, on arrive du coup au dernier tunnel de cette vidéo. Alors, Rodrigue, j'espère que t'es prêt, hein, parce que là, ça va être du très très lourd, je pense, les amis. Voilà, il y aura un gros combat. D'ailleurs, rends-moi l'arme, Rodrigue. Tu vas reprendre l'épée finalement. Voilà, je préfère garder l'arme. Oh, mais quel relou celui-là! Allez, let's go, hop, ok. Du coup, c'est parti, les amis. On va rentrer dans le tunnel de Chouchou Charles. Let's go, les amis. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas du tout. Alors, par contre, ici, il y a un panneau. Alors, mission, finir le jump et aller délivrer la chose. What? Mais attendez, mais la chose, elle s'est encore faite capturer. Mais à chaque vidéo, elle se fait capturer, la chose. Elle, franchement, voilà, va falloir qu'elle arrête, hein, au bout d'un moment. Hop, ok, du coup, c'est le jump juste en face. Et il a l'air plutôt compliqué, en vrai, hein. Bon, Rodrigue, j'espère que tu vas pas tomber dans la lave. Wow. Ok, heureusement que t'avais tes super pouvoirs, là. Hein. Je sais pas ce que j'ai vu, là, mais t'étais à deux doigts de tomber. Hop, ok, du coup c'est parti les amis, on va faire le jump. Est-ce que vous êtes prêts? Par contre, Chouchou Charles n'est toujours pas là et je vois la cage de la chose qui est en face. Bon, après on va pas se plaindre, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle si on le voit pas encore les amis. Au moins on va pouvoir aller délivrer la chose tranquillement. Mais avant ça, il va falloir finir le jump. Du coup, let's go. Ok, maintenant il faut sauter sur le bloc juste là. Il faut s'agripper aux échelles comme ceci les amis. Et là, aller sur le bloc de sable. Ok, wow, j'ai failli tomber dans la lave. Ok, c'est bon, je suis arrivé au niveau de la chose. On va vite la délivrer les amis. Allez, vas-y, sors la chose. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait que t'es ici. Mais clairement, j'espère que t'es fort en jump. Parce que voilà, il va falloir faire le jump dans le sens inverse maintenant du coup. Ok, ça va, il est un peu plus simple dans le sens inverse. Hop, let's go. Bon, la chose, elle arrête pas de tomber les amis. Mais ça va, elle craint pas le feu. Wow. Ok, regardez les amis. What? Mais attendez, mais fait super flipper. Ok, il a spawn de nulle part les amis. Il arrive, wow, il accélère d'un coup. Ok, il y a Chouchou Charles qui nous poursuit les amis. Oh là là, ok, pas bête les blocs pour le bloquer. Mais je pense qu'il va passer à travers. Wow, il est en train d'attaquer tout le monde les amis. What? Attendez, je vais essayer de lui tirer dessus. Ok, je crois que ça lui fait pas de dégâts les balles les amis. Attendez, je vais essayer d'aller me cacher quelque part. Oh là, les amis, mon fils est en train de crier. Ok, Rodrigue, il est parti se cacher. Ah non, c'est la chose qui s'est cachée.
Ok, ok, j'ai plus beaucoup de balles dans mon pistolet. Je sais pas si ça suffira, les amis. Qu'est-ce qu'il fait, regarde. Wesh, il est en train de l'attaquer, mais... Oh, je crois qu'il va se faire tuer, mon fils, là, hein, clairement. C'est un malade, il est en train de l'attaquer au corps à corps. Il y a Jojo Charles qui le suit, du coup. Ok, ok, ok. Hop, on va essayer de lui tirer dessus, les amis. Ok, ok, ok. Bon, j'ai plus de balles, les amis, ça ne lui fait absolument aucun dégât. Je sais pas comment on va faire pour le tuer. Attendez, mais il est où? Ah, il est là, il est là, il est là. Non, il m'attaque, il est juste en face. Ok, les amis, bon bah comme vous avez pu le voir, Chouchou Charles m'a tué en un seul coup. Et franchement, il est surpuissant. En tout cas, voilà, je sais pas si on va le voir dans mes prochaines vidéos, les amis. Mais si vous voulez d'autres vidéos avec lui, bah mettez tout simplement en commentaire Chouchou Charles, les amis. Je compte sur vous. Et du coup, voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification également. Mettez les 800 pouces bleus, c'est super important. Je compte sur vous. Et du coup, cette vidéo, ne choisissez pas le mauvais tunnel, est terminé. Un grand merci également aux acteurs ayant participé à cette vidéo. Il y avait tout simplement Nekama, il y avait également Deka et Katsuki. Leurs chaînes seront en description. N'hésitez pas également à aller vous abonner à leur chaîne, ça leur ferait également super plaisir. Sur ce, c'était Razen. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut.